Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue vidéo critique du disque Indigo, le deuxième DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Si vous n'avez pas vu mes critiques sur les jeux de base et sur le masque turquoise, je vous invite à aller les regarder. Elles sont en description et en suggestion de fin de vidéo. Globalement, la 9G aura été catastrophique. Et c'est tellement dommage car elle avait un potentiel de dingue. Mais à cause du timing méga serré de Nintendo sur le studio de développement Game Freak, le jeu se retrouve bâclé, peu approfondi et buggé de ouf. Autant à Paldea qu'à Septentria, les glitchs, les clippings et les chutes de FPS étaient violentes. Mais là, dans le disque Indigo, c'était encore pire. Pour vous dire, ma Switch a même crashé à un moment donné. Heureusement, entre guillemets, je n'avais perdu que 15 minutes de jeu. Mais tout de même, ça nuit énormément à l'expérience de jeu. Après, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a tout de même eu des très bonnes choses, comme la diversité des biomes, l'immersion autant dans l'Institut Myrti que dans la dernière phase de jeu où on se retrouve dans le cratère de la zone 0. Et les musiques sont toujours aussi cool. Mais ces critères, même si très positifs, ça ne sauve pas le jeu avec ce qui nous est proposé. Globalement, c'était vraiment pas bien amené. L'échange scolaire entre les académies sortent du cul et c'est pas justifié. T'es littéralement le seul étudiant de Paldea à aller à Unis pour aucune raison. On te justifie d'un coup que pour faire l'épreuve de type acier, Nerin te donne une épice capable de faire voler ton Pokémon d'un coup. À part juste pour couvrir le fait que les joueurs aient râlé parce que la Pokémon Ture n'était pas capable de voler dès le départ et qu'elle peut juste planer, ça sortait complètement du cul. Encore mieux, d'un coup, on nous annonce à la fin, spoiler alerte, que le cratère de la zone 0 est sur le point d'imploser, qu'il y a plein de Pokémon dangereux qui menacent de sortir. Encore! Mais surtout, qu'il y aurait des problèmes de fou. Et au final, il ne se passe strictement rien quand tu y vas. C'est calme. C'est juste une excuse pour donner une raison à Bria de mener une expédition pour faire des recherches sur Terrapagos. Et là aussi, littéralement, il est incrusté dans la roche. Si Cassis ne l'avait pas réveillé de force, tout allait bien. Il ne se serait jamais rien passé. La région n'était pas autant en crise que lors du scénario principal. On ne ressent pas ce côté dramatique et urgent comme on a pu le sentir dans Rossa par exemple, quand le légendaire se réveille et provoque un changement climatique brutal, ou l'épisode Delta de ce même jeu où c'était une course contre la montre pour sauver la planète d'une météorite qui allait causer une extinction, ou encore l'absorption de toute la lumière de la région par Ultra Necrozma dans les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune, ou plus récemment encore dans Legend Arceus quand les Pokémon Barons sont devenus fous, ou le réveil de Palkia ou Dialga qui cause un changement dans le ciel et davantage de failles spatio-temporelles. Là, dans Écarlate et Violet, tu pourrais littéralement entendre les Pokémon chanter. Le pire, c'est que ça partait hyper bien quand tu entres à l'Institut Myrti. La 5G a été respectée de ouf. Dès lors que tu franchis les portes, tu ressens l'atmosphère technologique du Nice. Étant un grand fan de la 5G, le fait qu'il ait remixé les musiques fait des tonnes de clins d'œil, passant d'une réplique de la grotte électrolyte à la décoration de la salle de club aux couleurs de la ville noire, et même liens et dialogues se rapportant à des champions d'arène du Nice. Cette partie-là est incroyable. Et même le fait que le gameplay était différent, tout était en combat duo, des Pokémon de très haut niveau, EV, IV, ça rappelait le niveau de difficulté qu'avaient les jeux de la 5G, qui ont été pendant très longtemps les jeux avec le niveau de difficulté le plus élevé. Mais en fait, dès lors que tu as battu Cassis, le maître de la Ligue Myrti, que enfin le scénario autour des origines du Terra Crystal commence, ça retombe comme un soufflé. Au final, à part dire oui, Terrapagos est à l'origine de ce phénomène, mais qu'on ne comprend pas grand chose, bah c'est tout. Niveau lore, c'est très pauvre. Le type Terra Stellaire sort complètement du cul et est compliqué pour rien tant il a rien à voir avec sa propre mécanique. Et au final, ça ne répond à aucune question sur la Terra Crystal. Cristallisation, ni les raisons de pourquoi il y a un lac cristallin à Septentria. D'où dans cette région du monde, il y a du Terra Crystal. Ça n'a aucun sens. On n'a aucun dialogue qui vaut en profondeur. Au final, Bria n'est même pas une antagoniste, mais juste une professeure irresponsable, avide de savoir, qui n'hésite pas à mettre la vie de ses élèves en danger pour voir la pleine puissance d'un Pokémon légendaire. Mais elle est au même niveau que Max et Arthur de la team Aqua et Magma, je te jure. En fait, il me donne cette horrible sensation qu'ils se sont perdus en cours de développement. Entre finaliser les histoires et intrigues de la région et le côté nostalgique fanservice qu'ils aiment donner aux anciens joueurs. Tout ça pour qu'au final, ils n'arrivent même pas eux-mêmes à justifier leur propre nouvelle mécanique et soient dépassés par les événements. Le côté cristallin reste incroyable et magnifique, et c'est d'autant plus frustrant car à plusieurs moments, on a des cinématiques très cool et des décors vraiment très chouettes, mais l'exécution et les chutes de FPS gâchent beaucoup l'expérience de jeu. Je suis frustré parce que, dans le fond, le deuxième DLC m'a beaucoup plu, même si dans le même temps, il n'y a rien qui
qui va tant niveau technique que même développement personnage. Si je n'étais pas un fanboy de la 5G, honnêtement, je pense que l'expérience aurait été plus que catastrophique. Je pense notamment aux joueurs casual ou qui n'ont pas grandi avec les jeux Pokémon noir et blanc, ils ne s'émerveilleront pas devant tous ces détails. Rien que le mini événement de Meloetta dans le jeu m'a donné des frissons de plaisir quand je l'ai débloqué, avec sa musique tellement harmonieuse qui s'entend progressivement. Pour les fans de la 5G, c'est ce genre de détail qui donne le smile de ouf. C'est là où je parle d'avis en demi-teinte. En plus de payer 35€ ton post-game incomplet sur plusieurs points, une grosse partie de la 9G est frustrante. Mais dans le même temps, ils ont fait des efforts et beaucoup de bonnes choses dans les jeux de base. Et dans ce deuxième DLC. Parce que bon, on va pas se mentir, le premier il est très oubliable. Je mettrai à ce deuxième DLC la note subjective de 6 sur 10. Une nouvelle fois, la 9G essaye de s'en sortir malgré un rendu honteux et pas digne d'être vendu en magasin en l'état. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, il y a tout de même énormément de points positifs. Lors de ma première vidéo sur l'aventure de base, j'avais donné la note de 11 sur 20. Et pour le premier DLC, du masque turquoise, j'avais donné la note de 5 sur 10. La moyenne finale des jeux Pokémon Écarlate et Violet est de 11 sur 20. Moi qui espérais que les DLC fassent remonter la note finale, c'est loupé. A priori, les prochains jeux devraient probablement être les remakes de la 5G. J'espère qu'ils ne se foirent pas en nous proposant des immondités comme ce que les fans de la 4G ont eu avec BDSP, ou même reproduisent encore une fois les erreurs de la 9G. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu ou ne sont pas au courant, j'avais fait à l'époque une vidéo où on théorisait à quoi pourraient ressembler les futurs remakes de la 5G, en espérant qu'ils soient des bangers au même niveau que ceux de base. La vidéo en question se trouve en description et en fiche épinglée juste là-haut. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao.